Bonjour tout le monde, n'ayez pas peur, c'est juste mon atelier. Alors vous rappelez que je vous ai fait une première vidéo où j'avais presque tout bien rangé, mais il y a eu les travaux. Alors regardez, voilà, ça c'est les nouvelles fenêtres qu'on a eues. Je vais ouvrir les volets là après pour voir un peu mieux. Mais du coup, c'est la catastrophe complète. Je vous montre. Bon, pas de critique, hein, rien, c'est la vie normale. Je ne suis pas bordélique, hein, à la base. Mais il y a eu les travaux. Et là, il y a Fifi qui se balade. Ouh, avec ses yeux de fantôme. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, Fifi veut vous dire bonjour. Bonjour. Ça va? Ouh, dis bonjour. du coup, ben, il faut que je recommence à tout ranger. Voilà. C'est le boxon complet. Je ne sais pas par quel côté commencer. Alors, vous allez même voir. Alors, si Fifi veut se pousser un peu. Voilà, vous voyez ici, il y a même des boîtes de café. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les travaux. C'est parce que... il y a une ou deux cafetières, je crois, une Dolce Gusto et une Laure. Je ne sais plus c'est quoi la marque, on dit Laure, mais qu'on va revendre, qui sont, pour ainsi dire, neuves. Donc, du coup, on a des capsules de café. Donc, elles sont ici, avec les cafetières. Voilà. Ça va? Vous n'avez pas eu trop peur? Bon. Bah écoutez, on va attaquer. Alors, on va attaquer déjà là, ce coin-là, c'est-à-dire la table. Et en plus, je dois chercher un bouquin. Alors, j'ai déjà cherché, je ne le retrouve pas. Il est dedans. C'est un bouquin que j'ai vendu sur Vinted. Donc, ça fait déjà 3 jours. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, il est enfoui, là, quelque part. il est enfoui ici quelque part, mais bon, je vais le retrouver. Il n'y a pas de souci. Allez, on attaque. Alors, d'abord, le linge, on va le pousser. Il retournera par là. Ce sera ça de moi ici. Hop. Voilà. Et j'ai pas pensé à prendre un sac pour mettre tous les draps, tout ça, puisque ils sont pleins de poussière, puisque je m'en suis servi pour cacher les meubles, enfin toutes les babioles. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai un carton là, je vais tout mettre dans le carton. Voilà, ici. Ça ira très bien. Excusez-moi, je passe devant. J'ai même un aquarium maintenant ici, puisque Bubule est mort. Du coup, ben, il n'y a plus de Bubule et on arrête l'aquarium. Du coup, ben voilà. Alors ça va être à laver. Alors c'est super, hein, de devoir laver plein de trucs comme ça. Parce que avec le temps qu'il fait, nous on a eu la tempête hier. Ça va, pas de dégâts, je vous rassure. Nous on s'en est bien sortis. Je cherche. J'ai une caisse pour remettre tous les rideaux parce que du coup tous les rideaux ont été enlevés des fenêtres et ils ne vont plus sur les fenêtres. Ça, c'est les barres pour ici en haut. On va les mettre. Hop là, ça commence. On va les mettre sur... Ah ben non, j'ai plus d'appui de fenêtre. J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai eu des appuis de fenêtre avant, non? Je me rappelle plus. Oula, c'est fort ça. Bon.
ça, c'est du papier noir qu'on se sert pour ranger les DP. Ah, ben voilà mes livres. Regardez, j'ai retrouvé mes livres. Ils sont là. Youpi. ouais, je disais, c'est des feuilles noires que j'achète sur Amazon. Oui, j'achète sur Amazon. Écoutez, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui critiquent Amazon. Mais quand on habite dans un coin où il n'y a rien, il n'y a aucun commerce, Amazon est notre ami. Voilà. Et Amazon nous fait faire de... Voilà, c'est ce livre-là que j'ai vendu. Le cartonnage pas à pas. Donc, j'ai encore plein de livres hein, sur mon Vinted, si vous voulez. Je vous remettrai le lien en bas. Oui. De toute façon, sur Amazon, j'ai remarqué que je faisais quand même des économies. Exemple, bon, vous avez dit un produit vaisselle, tu peux l'acheter, du lave-vaisselle, tu peux l'acheter au supermarché. Je suis d'accord avec vous. Je ne vous vois pas là. J'espère que ça va. Oui. Hop, je vous bouge un peu. Voilà, je vais sur ma table. Oui, j'ai remarqué que les produits Amazon, les produits que je pouvais acheter sur Amazon, ben, je payais beaucoup moins cher. Exemple, mon liquide pour le lave-vaisselle. Si j'en prends 3 flacons au supermarché, ça me coûte presque 30 euros. Et sur Amazon, eh bien, ça me coûte 20 euros. Donc, je paye 10 euros de moins, c'est-à-dire que j'ai un flacon gratos. Voilà. Oui, c'est petit, ça. Ça, c'est ma petite fille qui me l'a donné. Elle n'en voulait plus. C'était son amoureux qui lui avait acheté. Mais son amoureux... Mais elle a plus son amoureux, donc elle m'a dit, mamie, tu le veux? Ah, mamie, elle l'a pris. C'est quoi, ça? Ah oui, ça, faut que je le garde. Je vais le mettre dans la poche, comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Hop, voilà. Ah, oh, je ne sais plus par où commencer. Je vous jure, je ne sais plus. Alors ça, par contre, je vais le descendre pour le mettre au recyclage. Parce que c'est... Alors, je ne sais même plus où il est. Je l'ai mis où mon caméscope. C'est une caméra que je m'étais achetée. Je ne sais plus où je l'ai mise, bien sûr. Mais elle a fondu. La batterie, alors que je ne m'en sers pas, la batterie a fondu. Bon, c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas laisser de batterie dans les caméras quand on ne s'en sert pas. Mais voilà. Bon, ça, hop. C'est pour moi le fixer ici. Mais là, bon, je verrai ça plus tard. C'est un pied de caméra. Bric-à-brac à trier. Donc le bric-à-brac, on le met que dans une seule boîte et quand on a 5 minutes, on le trie. Voilà. Et on va essayer de vider sa poubelle hein, aussi. Aïe, je m'assomme. C'est pour la poubelle. Alors ça, ça n'a rien à faire là. On va essayer de le caser là-bas. Hop là. Alors pareil, j'ai un autre ventilo qui est là, mais qui est cassé. C'est le bric-à-brac ici, hein, je vous jure.
Voilà. Ça, je le garde précieusement. C'est un vase que ma fille m'a offert il y a quelques années. Ça fait un bail. Mais comme je ne vois plus ma fille, c'est un souvenir. Voilà. Cherchez pas à savoir pourquoi je la vois plus. Je ne sais pas moi-même non plus. Donc voilà. Mais bon, ça c'est des histoires de famille qui arrivent hein, des fois. Et puis c'est plein de poussière. Mais je vais ranger avant. Et quand ce sera rangé, je ferai la poussière. Voilà. Alors la première vidéo que j'avais fait sur le rangement de mon atelier, vous avez plu? Oh, mais... J'ai plein de trucs là qu'il faudra trier en détail plus tard. Mais pour l'instant, on fait l'urgent. On fait l'urgent. Parce qu'en plus... Ah, mais ça, c'est non, c'était une... je n'ai plus de... Comment? Je n'ai plus de carte. Il faudrait que j'en refais aussi. Ici. Ah oui, alors j'ai un petit panier là, vide, il y a encore l'étiquette, c'est un petit panier qui vient de chez Action. Voilà. Et dedans, bon, je vais mettre la poubelle par terre, vous verrez mieux. Hein. Je vais mettre dedans tous les dice qui traînent, puisque je vais tous les trier. Voilà. Je pense que je vais enlever aussi celui qui est là au mur. Bon, ça, il n'y a plus de fil dessus, c'est pas la peine de le garder. Et je ferai un tri et je vais en remettre à vendre. Voilà. Puisque c'est pas la peine non plus de garder des choses si on ne les utilise plus. C'est moi et Chouchou. Donc ça, je garde la photo, bien sûr. Ça, c'est un DP. Et j'ai même le support pour les capsules de la cafetière. Allez. Ça, voilà, ça, ben, c'est une aiguille que je cherchais. Je cherchais celle-là. Oh là là, comme la poubelle est trop pleine, ça va pas. J'ai envie de monter un petit sac poubelle, enfin un gros sac poubelle. C'est pour faire des cartes. Voilà. On va mettre là. J'ai une télécommande, je ne sais même pas à quoi elle correspond, mais bon, c'est pas grave. Le tiroir là, il faudra que je le trie aussi un jour. Ça,
On va le retirer, on va le mettre ailleurs. Ça irait même à la cabane, ça. Et ici, ah oui, il faut que je vous le fais, ça. Ah, ça a tombé. Et ça, c'est une broderie à vendre. Ça, c'est du carton pour faire pareil, hein, pour faire les cartes, du scrap, tout ce qu'on veut. Bon, on rigole pas. On va mettre celui-là, il est plus gros, il ira mieux. Une demi-heure après, j'ai... Bon, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Voilà. Oh, ça c'est un vieil ordi. Ça faudra qu'on le donne au recyclage. Ah mince, il y a encore du carton là. J'ai encore du carton ici. Ça c'est quoi? Alors ça c'est tous les petits tissus. Donc il faudrait que je me serve un de ces jours. Ça c'est des choses à vendre. Oh, j'ai plein de choses qui m'embêtent. Qui n'ont rien à faire là, qui n'ont rien à faire dans mon atelier. La tapisserie, mais le grenier est inaccessible, donc c'est embêtant aussi. Même de la peinture, non, c'est pas de la peinture, ça, je sais plus ce que c'est, mais colle, c'est de la colle pour faire la tapisserie. Mais comme Chouchou ne se plaît pas beaucoup dans la maison. Les travaux, tapisser, tout ça, ça ne motive pas tellement. Voilà. La boîte à couture. Du coup, je vais remettre là l'ordinateur en attendant. Voilà. Pareil, ça c'est toutes des petites choses qu'il y a à vendre. Alors elles sont toutes. Ah oh, tiens, non, ça je vais pas le vendre. elles sont toutes sur mon groupe Ville Atelier. Donc n'hésitez pas à les voir. Il y a plein de choses. Voilà. Il y a plein de choses à vendre, pas que de moi. Hein. Il y a plein de personnes qui vendent du DP, de la broderie, du tissu. Voilà. Ça, c'est quoi? Alors. Ah oui, c'est à trier. C'est un bric-à-brac à trier, mais c'est rangé.
Oui, vous allez me dire, j'ai une porte, mais c'est la porte du grenier, mais comme elle n'est pas accessible, je m'en fiche de la bloquer. Ça, je pourrais le jeter. Et ça, il y a... Oui, ça, c'est pour faire du scrap. J'avais déjà trié et rangé avec ma petite fille. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Ça c'est pareil, je m'en sers plus, mais bon. Mes petites poupées, vous retournez sur la bibliothèque. C'est des petites poupées que j'ai fait avec des livres, des Barbie. Ça, j'ai dit c'est à jeter, mais j'ai toujours pas trouvé je n'ai toujours pas retrouvé la caméra. Allez, on va aller mettre ça là-bas. Je commence à voir un petit peu plus clair déjà dans ce coin-là. Alors, je vous bouge, voilà. Hop, vous n'avez pas le mal de mer. Je vais aller mettre tout ce qui est tapisserie, peinture, là-bas dans le coin. Parce que bah, ça m'embête. Voilà. Et puis là, ce coin-là, il n'est pas tellement accessible, donc ça va. Ça, c'est pareil, c'est pour jeter normalement. Non, j'arrête pas à le pousser. Il est trop lourd. Hein. Voilà. Hop. Ça continue, si je ne veux pas tapisser, je vais revendre les rouleaux aussi. Hein. Je m'en fous. Oh, je vous jure. Bon, je sais tapisser, hein. Mais bon, ma santé ne me le permet pas tellement. Hein. Voilà. Allez, je vous remets par là. Touloulouloulou. Je suis essoufflée, les amis. Alors, ça. Je vais le mettre là, comme ça. Je ne cherche pas. Alors, elle, j'espère qu'elle fonctionne toujours, parce que l'autre jour, Fifi me l'a fait tomber.
Voilà, pour l'instant je la branche pas. Je vais alors j'ai aussi si ça intéresse l'une d'entre vous, le grand robot. J'ai un robot à revendre. Ah, je vous le montre. Vous voyez, il est là. Il est tout neuf. Je ne m'en suis même pas servi. Je n'arrive pas à le revendre. Ça me gave. Alors, lettre à moi-même. Réfléchir avant d'acheter quelque chose. Voilà. Du coup, les livres, je vais les mettre ailleurs. Ça, c'est ceux qui sont en vente. Allez, les poupées, reprenez votre place. Voilà. Pour l'instant, je vous pose là. Je n'en peux plus, les enfants. Je n'en peux plus. Ah. Cherchez ça l'autre jour. Ça, c'est pour la poubelle. Ça, c'est des enveloppes. Ça n'a rien à faire ici. Ça va descendre. Voilà. Comme ça, on peut remettre à sa place les choses. Ça aussi, on va mettre en bas. Donc ça, c'est le carton du robot. Voilà, voyez. Donc ça, on va le mettre là-bas dans le coin. Bon, il n'est pas dedans le robot. Hein. Je vous rassure, je ne suis pas devenue musclore. Je crois que vous ne m'avez pas vu là. Ouais, je disais, je suis pas devenue musclore. Hein. Le robot est en bas. Il faut juste que je le redescende. Enfin, que je le remonte pour le ranger. Voilà, je vais vu. Ça, c'est des fleurs artificielles pour le scrap, les albums. Voilà. La place. Ça, c'est un carton à plier, à trier. Voilà. Ça, pareil. Alors, la cafetière est là, la boîte est là. Donc, on va mettre ça là-bas. Ça commence à venir, ça commence à venir. Ouais, Chouchou, il pose. Ça, c'est Chouchou qui aime tout ça, là. Voilà. Vous voyez, celle-là, c'est la Dolce Gusto. Ah non, c'est pas l'or qu'on vend. C'est celle-là, la Dolce Gusto. Voilà. Je sais qu'il y en a une deuxième, mais alors, où elle est? Il me l'a mis quelque part ici, également. Voilà. Voilà. Tout ce qui sera dans le coin, là-bas, bah, c'est le coin grenier, on va dire. À trier, donc là il sera très bien. Bon, là aujourd'hui on fait le plus gros, hein, les enfants.
Parce que là-bas, alors, je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous avancer. Tac, tac, tac. Voilà, vous voyez là, hop, derrière le ventilo, il y a tout un bric-à-brac. Idem, à trier, à mettre en vente. Voilà. Il y a plein de choses. Voyez, genre des boîtes comme ça, j'en ai plein. Je vais les revendre. J'en ai marre de garder des choses qui ne me servent pas. Ça, tu vas là-bas, toi. Alors, j'ai même les outils à chouchou ici. Pourquoi pas? Ah, là, le sac vert. C'est sa grosse perceuse. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais bon. Je vous jure. Bon, du coup, le ventilo, on va le ranger comme ça. J'ai combien de ventilos, moi? Hein? Celui-là, ouais, il fait du bruit. Et le deuxième, mais c'est un neuf pourtant, celui-là. Celui que qui est en deux morceaux. Ah, je vous jure. Bon. Toi, tu vas aller là-bas. Ça va aller sur la table après. Commence à voir clair. Ouais, youpi. Alors, la petite maison. Petite maison dans la prairie. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est des dies. Donc, ça, c'est à trier. Donc, je vais les mettre là. Voilà. Avec le petit panier. Ça, ce n'est que des dies. En plus de ceux qu'il y a sur le. Comment? Aidez-moi sur le mur. Non, je vous ne voyez pas là. Vous ne me voyez pas. Voilà. Alors, je n'ai pas le retour. Du coup, je ne sais pas ce que je filme. Attendez, je vais mettre le retour. Voilà, là j'ai le retour. Bon, du coup, comme je ne peux plus mettre le flash quand je suis en retour. J'ai ouvert un peu le volet. Coucou, c'est moi. Je préfère vous voir. Ça m'angoisse si je ne vous vois pas. Il n'y a pas eu de dégâts sur les toits. Non, il n'y a pas l'air. Avec la tempête, ce serait ballot, hein. C'est tout neuf le toit, donc. Mais ça va. Même dans la ville. Enfin, dans le village, il n'y a pas eu trop de dégâts. Des branches de tomber, un arbre de tomber, voilà, des petites choses sans importance. Ça, on va le mettre là. C'est pareil, j'ai des lampes aussi à vendre. J'ai plein de choses. Ça va être pour Noël. Mon petit sapin en bois. Je vais le mettre là. Ça, c'est des broderies. Ça, c'est des cartes. Ah, ben, je vais les mettre là en bas. Tout ça, je le trierai un autre jour. On a le temps. Non, c'est ça, voilà. Voilà, ça c'est comme ça. Et ça, c'est tous les rideaux qu'il faut que je remette dans la caisse. On les a tous lavés. Mais maintenant, il faut les ranger. Bon, je commence à voir plus clair. Oh, la poussière.
Ça, faudra que je vienne le faire aussi. Mais je vais prendre mon plumeau et je viendrai faire la poussière. Voilà. Là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Ah! J'ai des sachets pour ranger les perles. C'est des sachets pour ranger les perles. Je vais pouvoir aller laver mes mains après. Je mets les chaises devant, comme ça je suis tranquille. Allez, on change de coin. Je sais que j'ai pas fini ce coin-là, hein, mais au moins on voit déjà un peu plus clair. Ah, excusez-moi, je passe devant. Je les ai mis où? Ah là. Donc ça c'est à descendre. Bah non, l'aquarium est là, donc je mettrai dans l'aquarium. C'est la boîte du chauffage. Ça. Les capsules à café. Oh là là, vous me voyez en noir maintenant, à contre-jour. Je suis désolée. Et je sais que j'ai encore là-bas des capsules. Oh, je vous ai fait bouger. Il faudra qu'on refait, on se refait une petite vidéo. Je suis là, vous inquiétez pas. Vous m'avez pas perdu. Il faudra qu'on se refait une petite vidéo. Je vais reclasser, re-ranger toute ma tricothèque. Voilà. Parce que j'ai des laines qui sont en bas qu'il faut que je remonte. Voilà, ça va là-dedans. Ça va là-bas. Alors ça, c'est des choses que je vends également. Oui, mon bébé d'amour. Ah, ben voilà, j'ai un grand sac pour faire une poubelle. Hi hi, j'ai trouvé. Ah, ça, c'est réservé. Je sais quelqu'un qui me l'achète. Je vais mettre là-bas. Je reviens, hein, je suis pas loin. Voilà. C'est tous mes sacs à tricot. Oui. Donc ça, on va les mettre là en attendant. Ça aussi. Ça, c'est une boîte vide, donc on va la mettre là-bas. Oui, mon bébé d'amour à moi. C'est le bébé amour à sa maman, ça. Oh. Alors, j'ai même les barres à rideaux hein, qui se promènent ici. On va essayer de ranger là-bas derrière. Je ne suis pas loin. Oh. Attendez, je vous bouge un peu, sinon je ne peux pas passer. Voilà. Hop. Comme ça, les barres à rideaux, elles sont là. Je suis là. Allez, on range un petit peu là. Alors ça,
bien, voyez, ça. Mamie, j'en fais plus, tu les veux? Ah, ça, c'est des lunettes. Faudra que je les donne. Alors, ça, c'est un DP d'un concours que l'on ne m'a pas réclamé, donc il retournera pour un prochain concours. Je profite pour vous redire qu'il y aura bientôt un big concours. Je n'ai pas encore préparé les lots, mais je sais ce que je vais mettre. Le concours va se faire peut-être en plusieurs vidéos. On verra. Et donc il y aura plusieurs, comme j'ai déjà fait, du DP, de la broderie, peut-être du tricot, je verrai. Donc vous aurez, si je me montrais, ça serait mieux. Ah, j'ai bloqué mon pied. Voilà. Donc il y aura certainement plusieurs catégories et je les ferai en plusieurs vidéos. Voilà. Donc, ce sera pour mon anniversaire, pour mes 60 ans, mes 60 printemps. Voilà, ça c'est pour la poubelle. Ça, j'ai vu quelque chose là, je vais le mettre dedans. Voilà. Suis là. Oui, donc, et je suis en train de réfléchir. Je suis juste en réflexion pour l'instant. Faut que je vois comment je peux goupiller ça. J'ai peut-être envie de faire. De faire un calendrier de l'Avent sur ma chaîne. C'est-à-dire faire gagner un cadeau tous les jours pendant 24 jours. Ce sera des petits, hein, parce que ce sera juste pour dire de faire un truc. Mais ce sera juste des petits cadeaux, petit cadeau de broderie, un petit cadeau d'épée, un mini kit, voilà, des petites choses comme ça. Donc je suis en train de voir. J'ai pas encore vraiment réfléchi. Enfin, si, j'ai réfléchi, mais il faut que je vois comment je vais goupiller ça. Voilà. Oui, ma fifille, je sais, maman, elle est là. Alors, j'ai des mauvaises langues. Ce carton-là. Non, c'est ce carton-là. Oups là, pas abîmer le bouquet. Je vais bientôt le faire pour les broderies. Ce n'est que des choses de coloriage. Donc c'est pareil, ça c'est à trier parce qu'il y a des choses que je vais certainement revendre dedans, des choses que je vais garder pour m'en servir. Donc voilà, ce ventilo qui est cassé m'embête et le deuxième aussi. Ouh. Allez, l'aquarium, nettoie-la. Donc, il faut que je trie ce sac, je fasse un gros triage sur le coloriage. Par contre, c'est ça que ma petite fille m'a donné. Voilà. Pour faire de la fimo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de fimo. Voilà. On va mettre ça là-bas. En refaire un petit peu de temps en temps, mais on verra. Alors, commence à voir avoir clair. Donc ça, c'est les livres qui sont à vendre. Je sais pas où les mettre. La bibliothèque est pleine. On va les mettre là en attendant que je range la laine. Et maintenant, j'ai fait une bêtise. Alors.
Hop, ça, c'est des choses à vendre. Ça, c'est des choses à vendre également. J'aurais dû le mettre là-bas. Oui. Et la malle à rideau est ici. Pareil. Il va falloir trier là-dedans parce que il y a des choses que, qui sont vieilles, qui ou qu'on ne se sert plus. Ça, c'est quoi? Ah ben voilà, chercher la couverture des toutous. La couverture des toutous. Voilà. Bon, je crois que j'ai mis. Non, il y en a encore là-bas. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, oui, ça. Non, ça c'est un drap, donc c'est pas au même endroit. Ça c'est la nappe de Noël. Donc on va la laisser au-dessus. Voilà. Si tu as inventé les boîtes comme ça, il a bien fait. Hein. Ben ça, du coup, je vais quand même le remettre au-dessus. Hein. Pas le choix pour l'instant. Et ça, hop, on remet là. Voilà. J'ai toujours les chaussures à chouchou, là, les chaussures neuves que je dois revendre. Je n'arrive pas à les vendre. C'est neuf, mais je ne sais pas les vendre. Ah, mais j'ai une caisse vide. Hein. J'ai de la place en dessous. Non, je n'ai pas de place en dessous. On va la mettre là. Voilà. Faut dire de débarrasser un peu le lit. Un lit à DP. Ça, c'est à chouchou. Il l'a pas remis sur le mur en bas. Hop, on va le mettre là. On ne va pas le casser. Ah, j'ai oublié ça. On sait rien, ça va me servir. Alors là, vous voyez, il y a des DP, il y a des cadres cassés. Il faut que je, pareil, que je fais le tri. Il y a des DP que je ne vais pas garder. Parce qu'ils sont, il n'y a pas de... Comment? Il y a plein de perles qui sont tombées. Du coup, bah, je vais malheureusement les jeter. Hop. Voilà. Ah. Voilà. Le lit est rangé. Bon, il faudra que je relave aussi les couettes. Bah, écoutez, on commence à voir clair, hein. Le sac de coloriage, je vous balade. Alors, on retourne un petit peu par là. Voilà. Sac de coloriage à trier, on va le mettre en dessous d'une chaise. Voilà, ça c'est des draps à laver. Eh ben, je commence à... Ça, c'est une boîte vide. Donc, je vais la mettre là. Je m'en servirai pour ranger des choses. Et ça, j'ai dit que c'était à jeter. Ça aussi. Allez, maintenant, on va remplir le petit sac pour faire la poubelle. Pouvoir refaire mes vidéos en haut.
contente. Ah, là, j'ai encore des bibelots. Alors, ça, c'est pareil. J'avais acheté ça, c'est des étagères. Alors, oh, la poussière. Chez Action. Et je ne les ai jamais mis au mur. Donc, il faudrait peut-être qu'un jour, je m'en occupe. Voilà, c'est le vase. Ah mince, j'ai déjà mis la chaise devant. Alors attendez, et l'étagère. Ouais non, ça n'ira pas, je vais tout défaire. Je vais enlever ça. Alors ça, c'est une boîte que j'avais fait. Je vous montre. Avec tous les strass spéciaux. Donc c'est la réserve que je n'utilise pas. Mais bon. J'utiliserai peut-être un jour. Ça, je sais pas. Oh là là, c'est plein de poussière partout. Ah bah oui. Attendez. En bois pour le scrap. Voilà. Et du coup, je peux mettre ça ici. Voilà. Et je vais mettre la petite maison là. Allez, on finit de ranger la table. Ça, c'est pareil. J'ai un écran d'ordinateur en dessous qui ne va plus. Donc, il faut que j'aille mettre tout ça à la déchetterie. Je suis là, hein, mais je suis obligée de plonger. Alors, comme mon dos me dit, vas-y, Malo. Oh là là, quel carnage. C'est honteux. Mais bon. Je vous dis, normalement, à la base, je ne suis pas une bombée. Mais bon. Je suis toujours là, hein. Après, il me suffira de passer un bon coup d'aspirateur. Mais ça ira. Ah, le papier bulle, très important. On ne jette jamais le papier bulle. Voilà. Eh bien, mes aïeux. Ça, ça monte là-bas. Ça, c'est un DP que je mettrai certainement pour le concours. Ça, c'est le miroir. Ça, ça va là-bas. Vous avez vu, Fifi, elle est sage. Elle retourne là-haut. Voilà. J'avais une broderie là au mur, mais je sais pas où elle est. J'ai paumé. C'est pas une broderie. C'est un canevas. Il est vieux ce canevas. Et là, c'est un canevas en plus qui a eu du bol.
Enfin, c'est surtout moi qui ai eu du bol. Parce que je l'avais donné à encadrer. Et manque de peau, la boutique a pris feu. Du coup, je ne pensais pas pouvoir récupérer ma broderie, mon canevas. Et heureusement, le canevas était dans la réserve, il était déjà fait. Hein. Et bon, il a senti un peu la fumée un petit moment, quand même. Bon, ça, c'est pour la poubelle. Mais je l'ai récupéré, encadré, tout, nettoyé, il me l'avait nettoyé. Et j'ai eu peur. Enfin, de toute façon, comme elle m'avait dit, hein, elle m'aurait indemnisé pour si vraiment elle avait perdu mon canevas. Bon, ben voilà, ça je vais le descendre pour la poubelle. Juste mettre ça par là. Voilà, terminé. C'est déjà mieux. Hein. Bon, c'est pas encore. Attendez, je vais m'avancer, me mettre au milieu. Hop. Voilà. C'est pas encore l'idéal. Mais voilà. C'est déjà plus. Ah, j'ai oublié de remettre la poubelle en place. Voilà. J'ai de la place sur ma table. J'ai de la place pour aller à ma machine à coudre. Voilà. Là, je voudrais finir de ranger là en bas et de mettre un rideau pour pas qu'on voit. Enfin, on me dira, il n'y a que moi hein, qui vient, mais le lit, il n'y a plus rien sur le lit. Enfin, si, sous la couverture, là, il reste les DP. Hein, mais je veux dire, il n'y a plus rien qui est visible. Voilà, voilà, voilà. Et bien maintenant, je suis morte. J'ai les mains. Bon, vous n'allez pas voir, mais elles sont toutes noires. Il me reste. Tu auras à faire les poussières, voilà, à trier cette bibliothèque, parce que vous voyez en bas, c'est tout ce qui est coloriage, là, 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 donc il faut que je trie pour revendre. Il y a des livres que je vais certainement donner à la bibliothèque municipale. Et là, du coup, j'ai tout caché. c'est là où il y a les cafetières et tout ça, voilà. Bon, Fifi est redescendue. Elle en avait marre. Donc, ce carton-là est à trier également, ici. Bon, il y a encore quand même beaucoup de choses à trier. Hein. Mais, déjà, c'est déjà mieux pour la deuxième fois. là, bon, maintenant, les travaux ici sont terminés. Donc, je peux y aller à fond pour nettoyer. Voilà. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin petite, je pense pas, hein. Mais je sais que vous aviez, beaucoup d'entre vous avaient dit qu'elles aimaient ces vidéos-là à rangement. Bon, là, c'est pas du petit rangement, hein. Mais j'ai encore le dessous du lit à faire, j'ai encore quand même pas mal de choses, je vous dis, à trier, à vendre, à donner, à jeter, voilà, après... Je vais faire, bon, cette semaine non, puisque la semaine est terminée, mais la semaine prochaine, je ferai la tricothèque. On la fera ensemble, si vous le voulez. Puis voilà. Et je referai peut-être quelques cartes, parce qu'il va m'en falloir un peu pour Noël. Donc, je vais peut-être refaire quelques cartes. Si j'en fais, ben, on les fera ensemble. Voilà. Je vous laisse. Je suis en âge, je suis morte. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre patience d'avoir regardé cette longue vidéo. Bon, je vais voir au montage hein, s'il va y avoir des coupures ou pas. Mais c'est très rare que je fais des coupures dans mes vidéos. C'est ce qu'on m'a dit aussi qu'on appréciait. Restons naturels. Allez, je vous laisse, je vais aller me rafraîchir, boire un grand coup de thé glacé et puis bon, on va aller attaquer la broderie, voilà, on n'arrête jamais. Bisous bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous bisous.